Mede in Cameroon's economic capital city, Douala. Ladies and gentlemen, thanks for joining Equinox Television on our third and last edition of the bilingual newscast for the day. The first part is in the French language with Nadine Yambo. Nadine Yambo, good afternoon. Good afternoon for me, Yamsom Samda. Mesdames et messieurs, bonjour. Merci d'avoir choisi Equinox Télévision. Protéger le golfe de Guinée de la piraterie maritime, c'est l'objectif que se fixe le Cameroun, le Gabon, la Guinée équatoriale et même Sao Tomé et Principe. À travers un partage d'expériences, les éléments de la marine nationale des quatre pays se sont retrouvés donc à Douala pour évaluer leur savoir-faire. C'était en présence de nos reporters Innocent Abega et Kate Diarra. Des forces spéciales en plein exercice de protection du golfe de Guinée. L'exercice se déroule en haute mer. Les hommes assidus comme des soldats en guerre déploient leur arsenal de connaissances et de savoir-faire en vue de protéger ces eaux territoriales. L'opération qui se déroule sous vos yeux a un nom, Opangame Express 2021, de la protection au-delà des frontières maritimes. Notre hiérarchie nous a signé les objectifs qui étaient ceux d'évaluer, n'est-ce pas, l'intégration du Cameroun dans le processus de Yaoundé, évaluer les capacités de réaction face à une menace en mer et aussi les actions transversales, d'évaluer ces capacités-là avec les autres administrations qui sont en charge de l'action de l'État en mer. Finalement, l'exercice est un succès. On a pu, avec beaucoup de brio, assister le navire qui avait un incendie à son bord déclenché par une explosion dans la salle de machinerie. Et dans le cadre de la lutte contre la pollution, il y a un navire qui a heurté une barge de Perenco avec un déversement, s'en est suivi un déversement d'hydrocarbures d'environ 5 à 10 tonnes en mer. Et la marine nationale, à partir de ses moyens, a réussi à confiner. S'il ne s'agissait là que d'une mise en bouche, il faut dire que ces hommes sont formés pour pouvoir répondre à un besoin permanent, celui de la protection des eaux qui forment le golfe de Guinée, d'autant plus que celui-ci est la proie des pirates qui attaquent en haute mer. Opangame, une opération née en 2010 et qui provient de la mutualisation des forces des pays concernés, en l'occurrence le Cameroun, le Gabon, la Guinée équatoriale, Sao Tomé et Principe. On avait une faiblesse maritime accrue, prononcée. La mer était vide, on n'avait pas de moyens. Mais en revanche, on avait des États qui avaient du matériel, c'est-à-dire des bateaux, mais qui souffraient d'un manque de ressources humaines. Et en revanche, on avait aussi des États comme le Cameroun qui avaient de la ressource, des gars bien formés et tout, mais qui, pendant les années 2009, accusait un problème de vecteur pour pouvoir être présent en mer. Et le premier de ces six Opangame s'était déroulé ici au Cameroun. Il y avait seulement trois bateaux, un bateau de la marine camerounaise, un bateau de la Guinée équatoriale, un bateau gabonaise. En 2010. L'année dernière, l'exercice n'a pas pu se jouer pour des raisons de la maladie, la pandémie, la COVID-19. Mais cette pandémie n'a pas empêché que dans nos eaux, la piraterie continue à faire parler d'elle. C'est vrai que dans les eaux camerounaises, c'était assez calme, mais dans les eaux alentours, il y a eu beaucoup d'événements qui nous amènent à savoir qu'il n'y a pas de répit pour la lutte contre la piraterie maritime, la protection des intérêts de nos États. La réunion de clôture de ces exercices s'est déroulée à la base navale de Douala. Une clôture qu'a présidé le général de brigade aérienne, commandant de la 2e région militaire interarmée, Eba Benoît, ainsi que le général de brigade de la 2e région de gendarmerie, Tongue Elias. Au cours de celle-ci, les participants et autres méritants ont été récompensés.
Tout autre chose à présent, renforcer les capacités opérationnelles des collectivités territoriales décentralisées aux nouvelles technologies de l'information et de la communication, et les personnels des communes et mairies de villes de la région du Sud sont à l'école de l'Anti, qu'il s'agit de les rendre performants et efficaces dans la célérité des dossiers. Le reportage de Roger Takala, Isabelle Carole Zopette. Appui à la décentralisation et à la gouvernance locale au moyen des technologies de l'information et de la communication. C'est autour de ce thème qu'ont porté les travaux des maires et personnels communaux des 29 communes du Sud pour renforcer leurs capacités en matière de TIC pour une meilleure gestion de leur territoire. Organisé par l'Agence nationale des technologies de l'information et de la communication, il s'est agi pour l'Antique, bras séculier des pouvoirs en matière de promotion et de suivi dans ce domaine, d'amener les participants à mieux s'approprier ces outils, surtout en cette période marquée par la crise sanitaire liée au coronavirus. Le maire est un homme politique, il faut qu'il communique. Donc la communication n'est pas seulement dans les médias traditionnels. L'objectif du séminaire est vraiment dans le développement des TIC dans les communes. Quand on va les présenter, les différents référentiels, il y a effectivement les référentiels en matière de sécurité des systèmes d'information. La numérisation des fichiers d'état civil, du processus de réalisation d'un système d'information sécurisé, l'élaboration d'un schéma directeur informatique d'une organisation, la gestion des mécanismes de recherche des financements et des procédures de passation des marchés publics en ligne sont autant de questions qui ont été évoquées au cours de ces travaux, au grand bonheur de tous. J'ai beaucoup appris parce qu'on nous a donné tous les renseignements possibles. D'après leurs enseignements, ils m'ont fait comprendre que la commune pouvait elle-même créer des projets pour essayer de résoudre certains problèmes. Bien que ces assises contribuent à renforcer l'appropriation des TIC au sein des différentes entités locales, il faut tout de même noter que c'est une action qui doit être associée à d'autres accompagnements structurels et infrastructurels dans les différentes communes pour mieux répondre aux besoins de la population afin d'améliorer considérablement leurs conditions de vie. Et nous mettons le cap sur Bangui, en République centrafricaine, pour parler de l'investiture du président Faustin Archange Touadéra, 3 mois après sa réélection. La cérémonie d'investiture s'est déroulée à l'Assemblée nationale, l'occasion pour le président de la RCA, de mettre un accent sur le développement économique de la Centrafrique. Le reportage de nos envoyés spéciaux, Cédric Noufélé et Eric Ouattat. La Centrafrique vit désormais l'ère d'un nouveau quinquennat placé sous un leadership visionnaire en vue de sa transformation nationale. C'est dans cet esprit que le professeur Faustin Archange Touadéra, réélu à la tête du pays, fait son entrée à l'hémicycle de l'Assemblée nationale. Dans cette salle, revêtue aux couleurs nationales, le président burundais, les premiers ministres représentants des chefs d'État africains, des personnalités issues des milieux politico-administratifs centrafricains et du monde diplomatique, assistent au rituel de l'investiture sous la supervision de Danielle Darlan, présidente de la Cour constitutionnelle. Monsieur Faustin Archange Touadéra, debout, découvert, la main gauche posée sur la Constitution, la main droite levée, je vous invite à prononcer la formule de votre serment en sango puis en français. Moi, Faustin Archange Touadéra, je jure devant Dieu et devant la nation, d'observer scrupuleusement la Constitution de la République centrafricaine, de sauvegarder l'intérêt du territoire, l'intégrité du territoire, de préserver la paix, de consolider l'unité nationale, d'assurer le bien-être du peuple centrafricain. Monsieur Faustin Archange Touadéra, la Cour vous déclare désormais installé dans vos fonctions
le président de la République, chef de l'État. Après avoir pris cet engagement devant la Cour constitutionnelle, le professeur Faustin Archange Touadéra endosse les attributs de la souveraineté centrafricaine. Le collier de grand maître des ordres nationaux que lui décerne le général de brigade Thierry Metekwe, grand chancelier. Ensuite, le président centrafricain reçoit un autre emblème de l'État pour matérialiser le pouvoir de la magistrature suprême. Il s'agit du drapeau arraché aux mains du chef d'état-major de l'armée centrafricaine. Un instant solennel suivi de l'hymne national entonné à l'hémicycle. Une fois investi de tous les pouvoirs constitutionnels, le président centrafricain fixe le cap de son nouveau quinquennat. Les contraintes que constitue l'insécurité, la faible disponibilité d'électricité, le coût élevé du transport sont en voie de résorption suite aux initiatives qui sont lancées dans les secteurs concernés au cours du premier quinquennat. Ainsi, la lutte contre la corruption, les détournements des données publiques et les infractions à suivre sera menée par des services mieux formés et protégés. Pour réaliser ces différents objectifs, la mise en œuvre effective de l'accord politique signé en février 2019 est l'une des conditions sine qua non pour sortir la Centrafrique de la crise actuelle, un défi majeur pour le président centrafricain Faustin Archange Touadéra. D'ailleurs, l'une des annonces fortes de son discours inaugural de son deuxième quinquennat, c'est l'annonce des consultations nationales en vue d'un dialogue républicain pour décrisper le climat sociopolitique et remettre son pays sur les rails de l'émergence économique. Ici, à l'esplanade de l'Assemblée nationale centrafricaine, Eric Ouattat et Cédric Noufélé, envoyés spéciaux Equinox Télévision. Et durant cette cérémonie d'investiture, l'ambassadeur de la Fédération de Russie a été fortement acclamé. Le peuple centrafricain loue la Russie pour ses efforts, notamment pour mettre en déroute les bandes des armées qui sèment la terreur dans ce pays. Une fois de plus, retrouvons nos envoyés spéciaux, Serge Alain Otto et Carlos Minoy. Lui, c'est Vladimir Titorenko. L'ambassadeur de la Fédération de Russie en République centrafricaine est très apprécié ici. La preuve. La présence de la Russie à travers lui marque la solidité de la relation entre Moscou et Bangui. Dans son combat contre les groupes armés, Faustin Archange Touadéra mise sur son alliance avec Moscou. Matériel sophistiqué et des hommes pas toujours discrets à Bangui et dans les autres parties du pays. Un pays, comme l'a rappelé Faustin Archange Touadéra dans son discours inaugural, à nouveau menacé par une assemblée de malfaiteurs réunis au sein de la coalition des patriotes pour le changement, dont François Bozizé vient de prendre la tête. L'ancien président déposé en 2013 par Michel Dotodia et dont la candidature à la présidentielle 2020 a été rejetée, refuse toujours de reconnaître le pouvoir de Touadéra, contrairement à certains anciens chefs d'État présents à cette cérémonie. Le chef de la transition du 24 mars 2013 au 10 janvier 2014, Michel Dotodia, a tenu par sa présence au palais de l'Assemblée nationale à légitimer le pouvoir du professeur de mathématiques pour un second mandat à la tête de la République centrafricaine. Même ambiance pour accueillir deux autres hommes d'État et anciens candidats à la présidentielle. D'abord, Alexandre Nguendé, président de la transition pendant 13 jours seulement. Il a obtenu 1,11% des voix à la présidentielle de 2020. Catherine Samba Panza a obtenu quant à elle 0,85% des voix. Elle a dirigé la transition
du 24 janvier 2014 au 30 mars 2016. Elle n'a pas voulu manquer le décollage de cette nouvelle Centrafrique, à l'issue de laquelle il n'y aura plus aucun groupe armé actif d'ici 5 ans. Parole du professeur Faustin Archange Touadéra. C'est avec ce reportage de nos envoyés spéciaux que nous mettons un terme à la première partie de ce journal. La suite, c'est en langue anglaise avec vous, Fourmi Armstrong Sanda. Thanks, Nadine Yambo. Ladies and gentlemen, thanks for joining us in the second segment of information. We begin with acute water crisis rocking Buya, chief town of the southwest region of Cameroon. Major neighborhoods concerned with this water crisis include Great Sopo. And the people of Buya say they are disturbed that Buya, despite being so close to the watershed, that is the Mount Cameroon, is suffering from water crisis, a problem that is preoccupying to traditional rulers, especially the traditional ruler of Great Sopo. Derek Jato tells us more from the southwest. The palace of Great Sopo village in Buya subdivision is thirsty. The palace is suffering. Then, of course, what do you say about the people who are out of the palace? They are suffering even more. And Chief Etina Monono took us round to see how dry his palace is. This second-class traditional ruler, chief of the Great Sopo people, and a member of the Southwest House of Chiefs, told us that he don't remember when last the precious liquid dropped from here. In the house, there's no water. You saw buckets all over Great Sopo, Buya Town, Moliko, everywhere. There's no water for people to fetch for drinking water. Most people have to go to streams, which is unhealthy. But every day his subject comes to him to explain why it is that difficult for a village of plus 24,000 people on the foot of this water plenty Mount Cameroon still see water as a luxury in this age. I give a little help. How much help can I give? Now it's even worse because we have IDPs who are packed in Buya, making the place very, very congested. And for those in charge, if the water distribution job is more than them, they should be honest to tell the Cameroon government to look for another solution. The way with this company now they work, if they no see they no fit work, make them give up, make government take another company for can help with the people of Faku and the whole of Southwest region. And to his elite, effort must be harnessed now, not later. I am calling on all the elites of Faku, all the elites of the Southwest to come on board. We have our able parliamentarian, the young Malumba Esembe, Senator Mbela Moki. They should liaise with all the chiefs. Madame Bifaka, who is our vice president of the National Assembly from this area. All of us should put our voice to say that water is life, and in Buya there is no water. And as a member of the Southwest House of Chiefs, water should be top on the agenda when the regional council swing into action. Me, as a member of the House of Chiefs, we are going to push this sort of problem because that is why we are there, to bring administration nearer the people and make sure that the people feel fine. Great Sopo Village, as the name goes, is the biggest village in Buya subdivision in terms of population and the largest in terms of surface area. And in Konsamba, the people of the city say the Operation Keep Konsamba Clean, launched by the mayor of the city of Konsamba, Nzuki Epofedrig, will not be a successful one if basic problems facing the people are not addressed by the mayor. According to the Konsamba city dwellers, the forceful eviction plan by the mayor of Konsamba will instead make matters worse, as it has the possibility of rising of that is provoking series of confrontations between the population and council officials. Martin Jikangebe tells us more in the following reports. The city mayor of Konsamba has launched a campaign to keep his town clean. According to him, for the fight to be a success, persons selling by the roadside will see their structures demolished. Unfortunately, the move of the city mayor hasn't been welcomed by the inhabitants of Konsamba, as a car which was about to be taken away by the city council police met with stiff resistance
from the population. Many traders have also lost their commercial bikes as they were seized by city council officials because their bikes were wrongfully stationed along the road. We are in a central town by the roadside, and the best way to monitor our bikes was to park them close to us. We were not even warned not to park them, and we are asked to pay 14,000 francs CFA to get it. Even though the Keep Consamba Clean campaign launched days back is not welcomed by the inhabitants, authorities of Consamba say they will not give up, but are calling on the population to collaborate for a success of the campaign. And students of government school just in Douala, that is second in high school, have been urged not to take shortcuts to the ladder, that is up the success ladder. The call was also made to parents of the student, and the call to parents was for parents to check the contents of what their children watch on and offline. The message came during a meeting grouping students, ex-students, teachers and parents of the institution, as Immaculate Fogo tells us in the following report. Teenage pregnancy, drug abuse, obscene videos and violence are now very rampant in school milieus in Cameroon. The situation has even become worse with the advent of social media. All these phenomena have caused mental, emotional and physical damage in the society. I feel so bad when parents offer Android phones to teenagers. I am a mother of four, and until my child is in opposite, I cannot offer him or her a phone. In case they have online assignments, their teachers forward it to me. I can better control my children this way. Today, many parents are so negligent about their children, reason why a lot of them go astray. Parents need to sit up. In order to address these challenges, school authorities of Government School Jos in Douala organized an educative talk. Entrepreneurs, ex-students and students of the institution were brought together for them to share their experiences. The session had esteem, discipline and respect for key values of professional success. I made the children understand that at the age of 10, I was already determined that I will change the world. All they need to do is identify their potentials because it will help them obtain better opportunities. I told the children that there are no shortcuts to success. They have to be determined. The journey is rough, but I encourage them never to give up. According to the discipline master of Lycée Jos, Comme Victor, the school has put at the disposal of students guidance counselors who regularly follow them. The students at the end of the educative talk expressed gratitude and promised putting into practice all what was said. The Mailing Service Department and other major departments of the Ministry of Public Service and Administrative Reforms has been completely digitalized. This is from the Minister of Public Service, Joseph Lee, who came to the economic capital city, Douala, announcing. The minister says one of the major causes of this move is to avert the effects of the coronavirus on the mailing service department of his ministry. Charles Ekome tells us more in the following report. The mailing department of the Ministry of Public Service and Administrative Reforms, whose function is to receive, inform and guide users as well as distribute mails and filing of documents, has been declared a digital platform as a result of the COVID-19 pandemic, which has hampered most activities of this service. The declaration was made by the Minister of Public Service and Administrative Reforms, Joseph Le, at the community hall in Akwa, Douala 1 subdivision. Due to the coronavirus pandemic, our administration went through a lot of setbacks in the past year. So for this reason, the Ministry of Public Service and Administrative Reforms has fixed certain objectives so as to develop and modernize its services.
Furthermore, the ministry has envisaged to develop the flow of information and the process for the elaboration of documents for its users. It is therefore primordial for us to introduce a telecommunications service provider for our users. According to the minister, these new reforms were put in place due to complaints of users who can't access timely information. These reforms, which have been put in place to ease the process for users, were elaborated based on research. Therefore, our customer service will now be an online platform, which will have a numeric code number and a digital innovation known as CGPS, which will be deployed in all regional delegations of public service and administrative reforms. The minister further went on to elaborate some of the new mechanisms put by the ministry to ease the flow and access of information to its users. La mise en service d'un numéro vert, c'est-à-dire un numéro. The new numeric service number will be 1522 and will be free for the interactive exchanges between customers and our services. There will be constant information to users to keep them informed and to notify them of their requests without them having to displace themselves to come to the ministry. Sans qu'ils aient besoin de se déplacer. With all these measures put in place, the expected output will be to decongest the notification office by effectively implementing digitalization, simplification of information and notification procedures, which is the central priority of the ministry. Charles Ekome reporting on the activities of the Ministry of Public Service and Administrative Reforms, bringing us to the end of the midday on Equinox Television. We thank you for your keen attention. We shall be back tomorrow at 7 a.m. God willing. Nadine, see you tomorrow at 7 a.m. Merci, famille Armstrong Sanda, fin de ce journal, mesdames et messieurs. Merci pour votre aimable attention.